Bonjour à vous, j'espère que vous allez bien. Le moment est venu de faire un astro-tarot surprise. J'ai déposé ici tous les signes astrologiques. J'en ai déjà rencontré deux, le signe du cancer et du taureau. J'en profite pour vous inviter à vous abonner à la chaîne et aussi à cliquer sur la cloche de notification si vous souhaitez être avisé de l'arrivée de la prochaine vidéo. Allons maintenant à la rencontre du signe du Gémeaux. Gémeaux, signe d'air. Quel est le message pour toi aujourd'hui, Gémeaux? Gémeaux, signe d'air, on va commencer par explorer le monde émotionnel. Gémeaux, signe d'air, comment vas-tu aujourd'hui, Gémeaux, signe d'air? Gémeaux, signe d'air. Oups, soleil. On en a plein la tête. Là, ici, on nous dit de prendre une pause, prendre le temps de se connecter à sa respiration. On en a plein de casques. Continuons. Pour le signe du Gémeaux, signe d'air. Qu'as-tu besoin de voir, d'entendre, de lire aujourd'hui, signe du Gémeaux? Signe d'air. Ok, on va y aller. Regardons les cartes ici. On nous présente quoi? On nous présente... Ok, qu'est-ce qu'on voit ici? Ici, on est dans un environnement... qui peut être dangereux, étant donné qu'il y a présence de requins. On peut sortir de là, s'accrocher. Ah, encore, on ne sait pas s'il y a des risques. Donc, on est dans un environnement à haut risque, possiblement. Ici, on nous présente l'artiste, le musicien, le guitariste. Et ici, on nous présente la bibliothèque, les livres. On s'instruit, on étudie, on va voir. Continuons ici. On va piger un mot pour accompagner ces trois cartes, pour nous pister pour le signe du Gémeaux, signe d'air. De quoi est-il question ici? De quoi est-il question pour le signe du Gémeaux, signe d'air? Homme. Donc, il est question ici, on me présente un homme. Un homme. Allons voir ici, de quoi est-il question? On me présente un masculin. On me parle d'un homme. Un homme ici. Piégé. Je ne sais pas. On est dans un environnement ici qui semble être à haut risque. On peut saisir ici, on peut choisir de s'accrocher pour sortir de l'environnement. On me présente ici l'être inspiré, le musicien, le guitariste, et on me présente la bibliothèque, les livres. De quoi est-il question? Et on me dit ici qu'on en a plein de casques. Bon. Ok. Allons avec les cartes de mon tarot psychique. Pour le signe du Gémeaux. On se casse la tête ici. Environnement toxique. On étudie. Bibliothèque, attendez. Succès triomphal à l'envers. Énergie de lutte, de combat. On va tout de suite clarifier avec une petite carte. De lutte, de combat, tranchée, épée, dispute, conflit, en lien avec la carte de la joie. La carte de la joie, le plaisir, s'amuser ensemble.
Donc, le signe du Gémeaux ici, pour le signe du Gémeaux, on me présente un masculin qui joue de la guitare, qui est dans un environnement à risque. On me présente la bibliothèque, les livres, peut-être une personne qui aime lire. Donc là, c'est à vous de voir ici pour le signe du Gémeaux, qui aime lire, qui aime s'instruire, s'éduquer. À vous de voir pour le signe du Gémeaux si ce jeu vous parle directement ou si il est question de l'énergie qui est collée à vous en ce moment, proche de vous, signe du Gémeaux. Mais ce sont les cartes que je pige en demandant un tirage pour le signe du Gémeaux. Donc ici, il est question de lutte, de combat, de conflit, de dispute en lien avec la carte de la joie, des plaisirs. Continuons pour le signe du Gémeaux. Où est-ce que vous vous situez en ce jeu? Continuons. Pour le signe du Gémeaux, signe d'air. Qu'as-tu besoin de voir, de lire, d'entendre aujourd'hui? Gémeaux, signe d'air. Allons voir tout de suite la carte qui nous parle de patience et de planification. Qu'est-ce qu'on veut construire? On nous parle de l'eau. L'eau, émotion, fin des ennuis, fin des soucis. De quoi est-il question? C'est la carte ici qui me dit, bon, qu'est-ce que tu veux planifier là maintenant? C'est quoi ton idéal? Qu'est-ce que tu veux? Prends le temps de le planifier. Tu veux la fin des ennuis, l'eau, les émotions? Bien là, on nous dit que comment se sortir de là? Là, il va falloir prendre le temps de le planifier. Planifier la sortie. Planifier pour que les émotions s'apaisent, pour qu'on arrive à mettre fin aux luttes, conflits, disputes rencontrées ici avec la carte succès triomphal et la carte de la joie. Donc ici, il y a une étape ici, prendre le temps de planifier comment se sortir ici d'un environnement dangereux. On veut la fin des ennuis, la fin des soucis. Pour le signe du Gémeaux, qui en a plein la tête, plein le casque. Continuons. Destinée, la carte de la destinée à l'envers. Ici, la roue tourne dans le sens de la malchance. Dans le sens ici, c'est comme si on retournait en arrière. Là. Et la roue tourne. Si ma carte avait été à l'endroit, bien, elle me parlerait de réussite, de succès. Là, en ce moment, on est dans le sens inverse. Et on ne sait plus où donner de la tête. Ça va exactement, ça fait sens avec la carte ici qui me dit que j'en ai plein la tête, plein le casque. Éparpillement, on ne sait plus où donner de la tête. Qu'est-ce qu'on va faire ici? Carte de la destinée à l'envers. C'est comme si c'est un retour en arrière, mais ouf! J'ai l'impression de voir une bouche ouverte là, qui crie. On n'en peut plus! On n'en peut juste plus ici! On dirait une poule sans tête. On ne sait plus! On ne sait plus quoi faire! On ne sait plus! On ne sait pas pour rien qu'on se prend la tête ici. La pie! On rencontre la pie. Là, ici, ce qu'on est en train de me dire, c'est que oui, on est toutes mêlées, on ne sait plus, on ne comprend plus rien. Avec la pie ici, qui nous raconte toutes sortes d'histoires de ragots, de mensonges, de. Avec la pie ici, on rencontre des histoires de vol, d'escroquerie, de ragots, des fausses histoires ici. Et on ne sait plus qui croire, quoi croire, rien. Là, on est toutes mêlées. Avec la carte de la destinée à l'envers, puis la pie, là, ça ne peut pas faire autrement. On est toutes mêlées. Mêlées bien comme il faut. On en a plein la tête, c'est pas pour rien. On ne sait plus qui croire, quoi croire. La pie raconte là, toutes sortes d'histoires. Ça en est mêlant, étourdissant. Continuons aussi pour le signe du Gémeaux. Bon, on nous parle ici d'un nouvel amour, nouveau projet, ma carte est à l'endroit. Nouvel amour, nouveau projet, cœur à cœur, la carte, là on change d'énergie.
Avec la carte numéro 1 et Nouvel Amour, on change d'énergie. Association, rencontre. Ici, c'est la carte qui me parle d'un nouveau projet de cœur. Elle peut aussi exprimer qu'un nouvel amour nous fait signe. Ici, circulation des émotions. La carte est paisible. On est ensemble. Collaboration, ensemble. Je vais déposer une carte ici pour la numéro 1, pour le signe du Gémeaux. Il y a un lien, il y a une relation. On peut ici s'exprimer librement, idéal en commun, ensemble, cœur à cœur, accompagnement. On peut exprimer nos émotions librement. Donc, on va voir ici de quoi il est question. Mouvement, ici ça bouge. L'énergie qui se remet à circuler. OK, l'énergie qui se remet à circuler ici. On va continuer. Cupidon. Cupidon, pour moi, accompagne bien la carte numéro 1 du Nouvel Amour. On partage de beaux sentiments ici, le cœur, une personne qu'on aime. On pourrait parler de retrouvailles m'a traversé l'esprit. Pour le signe du Gémeaux, cœur à cœur, projet commun, intérêt en commun, coup de cœur. On partage de beaux sentiments ici. Amour réciproque, intérêt réciproque. Il y a réciprocité. Donc là, ici, on me présente l'amour réciproque. Projet en commun, intérêt commun. La rencontre. Ici, on nous dit un nouvel amour vous fait signe. À vous de voir. On peut parler d'une belle relation d'amitié. On partage avec une personne des intérêts en commun. C'est vraiment le cœur ici, c'est l'amour, amour réciproque qui est présent. Donc là, j'ai rencontré quoi? L'homme à la guitare, qui aime lire, s'instruire. On me le présente en contact avec, ça peut être une personne ici, là, à la bibliothèque, un lieu pour s'éduquer, s'instruire, lire, se détendre. On aime lire. On aime apprendre, on aime, oui, on aime apprendre, apprendre à connaître. On nous parle d'un environnement qui est menaçant. On peut choisir de s'accrocher pour sortir d'un environnement à haut risque, dangereux. On en a plein la tête, on ne sait plus quoi penser de tout ça. Là, ici, est-ce vous? On me parle de l'homme. Bon. On nous parle de l'homme. On nous parle d'en avoir plein le casque. Lutte, combat, ici. Dispute, épée. On veut mettre fin au conflit. On veut reconnecter avec le plaisir. C'est difficile ici de comprendre ce qui se passe, de voir clair en la situation. La carte de la joie est une carte de plaisir, avoir du plaisir avec l'autre. En ce moment, il y a une énergie de lutte qui empêche d'avoir accès à ce plaisir. Lutte, combat, énergie de combat, prendre une décision ici. Pour retrouver la paix d'esprit, le calme émotionnel, on doit planifier ici. Comment faire pour retrouver le calme? On en a plein la tête avec la pie. C'est réellement étourdissant avec la carte de la destinée à l'envers. La pie nous raconte toutes sortes d'histoires. Toutes sortes de ragots, de commérages, de fausses histoires. C'est pour nuire. C'est mêlant. C'est un jeu mêlant. Elle nuit à la réputation aussi.
d'une personne, la pie nous parle de quoi? De possibilité de vol, d'escroquerie, on l'a dit. Infidélité aussi conjugale, c'est la pie. Où est-ce que vous vous situez? Où vous situez-vous, signe du Gémeaux, en ce que je suis en train de voir pour vous en ces cartes? On veut mettre fin ici au conflit. On ne veut plus de conflit. Il y a des énergies de lutte. Environnement menaçant, toxique peut-être, dangereux avec les requins. On peut sortir de là. On a besoin de calme. La bibliothèque se reposait la tête, on n'en peut plus. On n'en peut plus. Peut-être ici qu'on est une personne sensible, étant donné qu'on me présente le musicien, on est peut-être une personne ici sensible, qui capte, qui ressent. Donc ici, étant donné qu'on est en contact avec la pie, l'éparpillement, on est étourdi, une poule sans tête, on ne sait plus quelle direction prendre, c'est mêlant. Ici, je rencontre une personne qui est mêlée, là, qui en a plein le casque, plein la tête des conflits et des disputes. On doit ici planifier comment se sortir de là pour retrouver le calme émotionnel. Et ici, on nous présente la carte du nouvel amour, mouvement. C'est comme si là, il y a un changement. Est-ce qu'il y a... On prend une nouvelle orientation. C'est la carte numéro 1, la carte du mouvement. Rencontre, cœur à cœur. De quoi est-il question ici? On va la clarifier. On va les clarifier. Nouveau projet de cœur. Nouveau projet de cœur ensemble. L'énergie est complètement différente ici. Quand je regarde ce côté-là, il y a beaucoup de turbulences. Beaucoup de... la tête spin dans tous les côtés. Avec la pie, ça ne peut pas faire autrement. On rencontre des disputes. On doit planifier ici comment retrouver le calme émotionnel. On en a plein le casque. On doit planifier notre sortie, comment dire. Qu'est-ce qu'on veut atteindre? Qu'est-ce qu'on veut vivre? En tout cas, on veut retrouver le calme émotionnel, ça c'est clair. L'agitation du mental, ouf, c'est fou ici en ce jeu. C'est fou. Avec la pie destinée à l'envers, oh, on ne sait plus quoi penser. On a besoin de se reposer la tête. Et ici, on présente le nouvel amour, Cupidon, mouvement. Partager des intérêts en commun, projet en commun, cœur à cœur. C'est comme si ces cartes-là étaient complètement à part. C'est comme si c'était un nouveau départ. Nouveau, c'est de la nouveauté ici. C'est comme si on quittait un environnement. C'est comme si on quittait. La carte du bien-être. Ici, on pense, oui, à notre bien-être. Confort ici, matériel, prendre plaisir à la vie. Ici, j'ai l'impression que c'est un nouveau départ. C'est ce que je ressens. C'était essoufflant ici. Peut-être qu'on pourrait avoir besoin de soutien pour débuter ce nouveau départ. En tout cas, il y a une personne qui a besoin d'aide en ce jeu. Peut-être celle-ci là, qui se prend la tête. Étant donné que j'ai la carte de la destinée qui tourne dans le sens inverse, on ne sait plus où donner de la tête, c'est malade. Ici, la carte de la pie qui commère, qui raconte toutes sortes d'histoires, oh, dispute, conflit, oh, je me sens là. On peut avoir la tête qui tourne ici dans tous les sens. On pourrait avoir besoin d'aide avec la carte aide psychologique ici pour atteindre le calme mental, le calme émotionnel. C'est ce qu'on veut ici. Mais on a peut-être besoin de la carte du soutien ici. Une personne pour nous accompagner pour y arriver. Là, je vais piger une carte rose pour le signe du Gémeaux qui en a plein la tête. «
Wow! Oh, il y en a trop. Il y en a vraiment trop, là. Il y a trop. Ça va être trop difficile, là. Je pense que là, il va falloir trier qu'est-ce qu'on veut. Attendez un peu. Je vais piger une carte ici pour le signe du Gémeaux. Une carte rose. Une carte rose. Ici, elle nous parle d'apprendre à se révéler, apprendre à se connaître. Est-ce qu'on se connaît réellement les uns et les autres? Est-ce qu'on se connaît réellement? Ici, c'est la carte qui nous encourage à apprendre à nous connaître. Est-ce qu'on se connaît? Peut-être qu'on aurait besoin d'apprendre à connaître les gens qui nous entourent. Je vais piger une carte ici pour cette zone parce que j'ai l'impression qu'elle est protégée, cette zone. Ici, c'est le tourment. Ici, c'est vraiment ici le tourment, l'agitation mentale. Ouf! Les luttes, les combats, la tête qui spinne dans tous les sens. Ici, je vais piger une carte en ce sens. J'ai l'impression que c'est une zone protégée. C'est la carte qui me parle de l'âme sœur, qui me parle du compagnon, compagne d'âme ici. Cette carte nous dit que nos visualisations, nos affirmations, nos prières vont nous ramener ensemble ici. Donc, on nous parle de Cupidon, relation de cœur à cœur. Cœur à cœur, une personne qu'on aime. Nouvel amour. Nouvel amour, c'est comme le début ici de la rencontre. Le début de la rencontre. Ou le début de la relation. Est-ce qu'on se connaît réellement? Bien là, ici, probablement qu'on va prendre le temps de se connaître. On nous parle de projets en commun, le cœur. On peut exprimer nos émotions librement. Il y a fluidité en la relation. Il y a fluidité. Partenaire ici, compagnon, compagne d'âme. C'est une zone ici protégée pour moi. Je vais piger une carte de l'oracle de l'âme intuitive. Je vais essayer de l'orienter vers ce sens-là. Ici, on aurait besoin d'aide, d'après moi. On en a plein la tête. Avant de perdre la tête, là, parce que là, ici, j'ai vraiment l'impression de rencontrer une personne qui est en train de perdre la tête. On va aller par ici. Une carte de l'oracle de l'âme intuitive pour le signe du Gémeaux. Univers. Ouverture, énergie divine, permettre à l'univers de vous aider et de vous guider. S'ouvrir à l'univers. Je vais vous lire le message pour terminer de la carte de l'univers qui nous dit que nous ressentons tous une puissante attirance spirituelle envers l'univers. Celle-ci provient de la foi que l'univers nous procurera tout ce dont nous avons besoin. Cette énergie divine nous est disponible. Nous pouvons l'utiliser et y croire. Elle nous donne la force d'ouvrir nos cœurs et de comprendre que les choses surviennent pour nous aider sur notre chemin d'évolution et d'épanouissement. Ayez confiance, ayez la certitude que vous êtes au bon endroit, au bon moment, comblé de tout ce dont vous avez besoin. C'est ce que l'univers vous offre. Alors, à vous de voir s'il est question ici d'un nouvel amour qui vous fait signe ou peut-être même un amour qu'on a rejeté ici, qui revient, mais c'est le cœur qui est présent. On nous parle de partenaire d'âme, compagnon d'âme, compagne d'âme, Cupidon. C'est les sentiments, le cœur est là, l'amour est présent. Le bien-être aussi. Et la carte de l'univers qui nous encourage à faire confiance, à se laisser aider et guider par l'énergie divine, l'univers. Alors voilà, c'est ici que je vais prendre la pause pour le signe du Gémeaux et je vous souhaite une belle journée.